faire une bonne action tout en se divertissant. C'est une première en France. Un café-théâtre humanitaire vient d'ouvrir à Lyon. Cette salle baptisée Fenêtre sur cœur est à la Cité Internationale. Elle se met au service des associations caritatives. Chaque spectacle est dédié à une cause et les bénéfices de la soirée vont à une association. Le théâtre est ouvert les jeudis, vendredis et samedi soir. Jean-Marc Roffa en est le directeur. Nous, on donne une soirée clé en main, c'est-à-dire qu'on a des artistes au grand cœur qui se sont engagés déjà jusqu'au mois de février, chanteurs d'opéra, des humoristes, dont certains viennent de Paris et ils ont pratiquement tous fait le Festival d'Avignon. On a les futurs stars de la chanson française, c'est-à-dire des jeunes chanteurs de grands talents qui ont de 6 à 18 ans, qui sont dans la mouvance de The Voice Kids. C'est-à-dire comme quand on va au café théâtre, on prend la décision au dernier moment, on ne sait pas trop ce qu'ils jouent. Bien là, c'est pareil, les gens peuvent venir, ils savent qu'il y a une soirée humanitaire, ils vont découvrir à la fois un artiste, mais en même temps faire une bonne action. Donc c'est une pierre deux coups. Le rire et le sourire, ce sont les meilleurs médicaments. Les recettes sont réparties entre l'association bénéficiaire de la soirée, les artistes, le propriétaire de la salle et l'organisateur.